Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez m'entendre parce que je vous filme avec mon téléphone car la cam elle a oublié sa GoPro à l'hostel. Bref, j'espère que vous m'entendrez bien. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de vlog. Donc nous sommes le 15 ou le 16 mai, je ne sais même pas. Le 16 mai je crois. Nous sommes jeudi 16 mai et aujourd'hui je passe la journée à Brisbane. Voilà, donc là je viens juste d'arriver là à l'instant, donc je suis garée sur un parking, dans un parking souterrain. Donc c'est vraiment le bon plan si vous venez en voiture, parce que se garer en ville c'est la galère. Donc le bon plan en fait c'est de vous garer au parking souterrain, donc il y a de l'art galerie, de la galerie d'art, ou alors je crois du centre de convention. En gros c'est ouais c'est ça, il y a un parking souterrain, vous vous garez dans le parking et c'est 17$ pour la journée, donc jusqu'à minuit, et c'est pour toute la journée et franchement ça vaut le coup. Et moi je suis contente parce que voilà, ma voiture elle est tranquille au chaud et moi je peux aller me promener tranquillement. En plus c'est super proche du centre, donc c'est ce que je voulais pas me garer trop loin et machin, donc je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Bonjour monsieur. Voilà, donc sans plus attendre je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais commencer par la galerie d'art vu que je suis juste à côté. C'est parti. Oh,
the next day. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Donc hier je ne vous ai pas conclu le vlog, je suis désolée. Mais voilà, donc aujourd'hui nous sommes le... aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 mai. Et au programme, j'ai pas de programme précis. Mais je pense aller me promener vers, vers les plages et tout ça. Parce que je suis sur la Gold Coast, donc c'est un ensemble de villes un petit peu sur la côte est et c'est proche de la mer et c'est très connu parce qu'il y a des grands gratte-ciel et tout et c'est vachement sympa. Du coup j'avais envie d'aller me promener un petit peu vers là, de découvrir. Voilà pour le programme aujourd'hui. Et j'ai aussi envie d'aller au Fair Shopping Center. C'est un grand mall très grand sur la Gold Coast. Donc j'ai envie d'aller voir ça aussi. Quoi d'autre? Donc hier ouais j'étais à Brisbane, donc je vous avais filmé quelques images et comme je vous expliquais, je sais pas si vous avez très bien entendu, en fait la technique pour se garer si vous allez en voiture, surtout voilà, vous garez pas dans les parkings payants, ça coûte une blinde, enfin il faut quand même payer mais il y a moyen de payer moins cher. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis garée au centre, enfin au musée d'art contemporain, et en fait c'est 17$ pour toute la journée, donc c'est de 8h à minuit que c'est ouvert, vous pouvez laisser votre voiture toute la journée et voilà, seulement 17$, c'est vraiment pas grand chose, et votre voiture elle est en sécurité dans un parking souterrain, donc c'est vachement bien, et en plus vous êtes super proche du centre, donc ça c'est cool, j'étais à même pas 2 minutes après du centre-ville pour me balader, donc vraiment c'est la bonne technique. Je pense que ça marche aussi à Melbourne et à Sydney, mais je sais pas, j'ai pas fait comme ça à Melbourne et à Sydney, mais en tout cas à Brisbane, si jamais vous y allez en voiture, c'est la technique. Que dire d'autre? Oui, c'était vraiment très sympa, petite journée à Brisbane, donc j'ai loué un vélo, vous savez les vélos ça coûte 2$, vous pouvez en emprunter un pour 30 minutes et après il faut le recharger pour 30 minutes pour pas avoir à repayer 2$, j'explique très mal mais voilà, il y a ce concept là dans pas mal de villes en Australie, et ouais du coup c'était sympa, je fais une petite promenade à vélo et ensuite je suis rentrée à l'auberge et voilà, rien de spécial. Voilà, bon, bah c'est parti du coup, là je vais en route, je vais aller voir quelques plages et je vous emmène avec moi.